Nous sommes de retour en direct. Nous sommes de retour en direct avec le son du jeu qui a été baissé. Je suis allé voir sur le retour, on arrive à m'entendre, mais on arrive à m'entendre quand même, encore heureux. Pour YouTube. En parlant de YouTube d'ailleurs, oui, il y a eu une grosse baisse de son entre temps. Et du coup, je vais faire une petite explication rapide de pourquoi je mets pas la cam. Hop. Voici la cam avec ma magnifique gueule. Mon écran est là. C'est la seule explication en fait. Parce que si je devais jouer, je serais comme ça. En fait, et c'est pas ultra pratique si vous avez juste ma gueule qui regarde ça et qui se tourne d'un coup pour regarder le chat. C'est pas très pratique. Si je pouvais regarder directement sur le PC, ça aurait été pratique, mais je peux pas le faire en fait. C'est pour ça que je ne mets pas la cam. Ou il aurait fallu que je sois hyper tricky. Il aurait fallu que je sois hyper tricky avec la disposition de mon PC. Mais j'ai pas envie d'être tricky tout simplement. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas ajouté la règle. Alors, challenge. Éditer. Tac tac tac. Hop, trop serré. Sans, voilà. Trop serré. Voilà. Faudra vraiment que je fasse un vrai layout à jour parce qu'on voit pas grand chose. Hop, je mets ça là, histoire que vous puissiez voir. Donc, rappel des règles qui sont actives. Blocus Dynamax, je ne peux plus faire Air Dynamax, donc je ne peux plus fermer d'item. Et trop serré, je ne peux avoir que 5 Pokémon Max dans mon équipe à partir de maintenant. Désormais, les règles s'activent dès que je mets les pieds dans l'arène pour aller défoncer du champion, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de défoncer du champion, c'est ce qu'on va aller faire. Bonjour la dépressive. Tu vas accomplir une mission d'arène, oui. D'accord. Oui, je vais participer, tout de suite. Je me suis stuffé, donc ça devrait aller. Avec les cheveux qui cachent le dossard. Cette eau est très verte, on dirait Venise avant le confinement. Ah oui. Ah oui, lui c'est Guido, pourquoi je me sens obligé de lui faire un accent italien. Ma, je vais te décrire l'objectif de la mission d'Allen au Game Valley. C'est simple et ludique, il faut couler après les mahotans. Le but est de l'assembler au pied de la barrière en mode de Paris. Il faut l'embellir avec le masque et elle s'écoule là, tu pourras s'y avancer. Ma, en fait, il me suis pas présenté, il m'appelle Guido. Il faut aussi se tabler pendant les missions et j'annonce également les résultats. De ce que la mission commence. J'aurais tellement fait avec, avec des mots italiens si je m'en souvenais. Hop, alors. Pas très compliqué. Surtout que, bah, il m'a détecté une distance. Hop, allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le chien. Allez. Il y a un restaurant que je suis obligé de me taper. Au pied. Merci. Bonjour Challenger, désolé ma mission c'est de te faire quitter le pâturage, merci. Sauf que ma mission c'est de te défoncer, Tim. Accessoirement. Hop, bah sur l'insecte, il devient plus fort avec la poudre argentée. Presque one shot.
Non mais Colléodome, il est vraiment God tier, quoi. Il est ultra solide et il cogne comme un bourrin sur le spécial. Laisse tomber. Après, tu me diras sur Marseille, je crois que c'est 50 de base puissance. Sachant qu'il est type insecte et qu'il a la poudre argentée, ça te met ça à des niveaux pas possible. Voilà, merci. File-moi ta paye. Voilà. Non, 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 pas par là. Faites le tour, faites le tour, faites le tour. Hop, je vais les mettre là-bas. Ils y vont tout seuls, d'accord. Il y a une seconde de lag, ça va. Hop, Rodrigo. Ah bah ça va être plus facile à distancer, dis-moi. Hop, rappelle-moi. Ouais, 50 et 50, donc là... Putain, mais c'est une bête. C'est une bête, ce Pokémon. Je vois tes larmes diluées dans mon coca, mon cher. Alors Mister la même, écoute. On va renvoyer ce truc sous terre. Le petit enfoiré. J'ai pas remarqué qu'il y avait le bout des feuilles d'une autre couleur, hein. Mister Bug. Hop, allez, ça meurt. Voilà. Tac. Vibre à quoi? Ah, ça peut toujours être pratique. Surtout qu'on va voir l'autre. On va avoir une arène. Ça sera pas plus mal parce que j'ai pas trop de Pokémon qui font grand chose, qui font des étincelles face au feu. LOL. Allez, dernière étape. Oh putain, il y en a deux. Allez, pas trop loin. Allez, pas trop loin. Putain, qu'est-ce que je vous ai dit, bande de cons. Hop. Salut. Ah, pas la dépressive. Putain, c'est vrai qu'il est toujours paralysé, Coléodome. Allez. Pour le coup, je vais changer. Je vais prendre le Pierrot. D'ailleurs, j'ai toujours le 3 d'utiliser le Dynamax, mais je sais pas si je vais vraiment en servir pendant le combat. Parce que c'est possible de gagner les combats d'arène sans utiliser le Dynamax. Et vu la puissance de l'attaque Inmax, je pense que je vais quand même le faire. Allez, merci. Juste avant, je vais faire un peu de Poké Camping pour healer un peu tout le monde. Et on ne revit plus jamais les bottes de paille d'ailleurs. Hop!
Ah bah non, c'est vrai que putain, c'est parce que j'avais une BD en tête. J'ai plus Sadaneko voilà sur Twitter qui avait fait une BD sur ça, sur ce qui se passerait si on pouvait faire du Poké Camping dans les arènes. Hop, allez. Hop, tri. Voilà. Je suis prêt à défoncer du champion. C'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas éditer la tenue de dresseur. Bon bah c'est y part. Juste avant. J'ai collé au dôme en premier. Ouais bah de toute façon j'ai le trio gagné en première position donc laisse tomber. Il y a beaucoup de verre quand même ici. Encore la première arène n'est qu'une blague. Mon arène est la première étape du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je veux faire le tour avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, Itsuko, tu as accompli cette mission. Oh là là, j'en attendais pas moins de toi. Tu as de très bons instincts en ce qui concerne les Pokémon, tu les comprends. Parce qu'on m'a sans serrer, je dois me servir de la puissance du Dynamax si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. Allez. Hop. Merci le champion d'arène. Il va tellement se faire démonter avec son insecte par contre. Ouais. Sachant que je rappelle que je suis under level avec collé au dôme donc J'ai peur d'avoir un souffle déception par contre je remonte. Voilà. Voilà, tout shot. Voilà, le 19. Là par contre du coup j'ai une hésitation. Est-ce que je laisse coller au dog sur son prochain? Allez. Agriculteur, j'ai pas dit mon dernier mot. Vas-y, ramène ton blanc coton. Hop, je sais que je révite mais je vais quand même dynamaxer pour éviter de prendre trop cher. Putain il est pas rapide que moi. Les mecs de cette partie sont des connards. Normal mec, Albatar. C'est mal en plus. Ah nice. Je vais pas créer un champ psychique parce que ça me servira à rien.
Ok. Normalement, il me tue pas, quelle que soit la capacité qu'il va me balancer. Ah. Je tanque. Je pense pas que le champ RB va te sauver par contre, mon cher. Voilà. On va pouvoir enchaîner mes skis. Oh, j'ai envie de vous dire. J'ai beau tout dire, tu m'as envie de pêtre. Exactement. Je t'ai dégagé. L'entraînement a porté ses fruits. Je te donne donc ce badge plante. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion du défi des arènes. Nice. 25. Pour compléter le défi, il va te falloir gagner les 8 badges des divers autres champions. Et oui, t'as encore 7 champions à affronter à vaincre. Bonne chance. Bravo pour ta victoire contre Percy. Tiens, une fêtée. Feuille magique. Ah, nice. Ça va aller pour Tournicoton. Allez, l'uniforme de Percy aussi. Enfin, c'est pas le sien. Tournicoton qui va d'ailleurs être vachement utile. Je devrais peut-être même reprendre votre toutou. La route s'est inclinée. Je vais reprendre votre toutou. À la place de Nounourson. Voilà. Merci à perdu, oui. Oui, allez. Par contre, je veux juste regarder un truc dans mes documents. Alors, tac. Je retrouve pas, c'est très con ça. Le document où j'avais noté mes règles. À moins qu'il soit sur mon autre PC, dans ce cas je serais bien baisé. Hop. Bah écoute. C'est juste parce que j'ai un doute sur une règle en particulier, mais ça devrait me revenir quand je la verrai. Les journalistes. Qui c'est Galvaro? Ok. Enfin, c'est chaud quand même de mettre des Pokémon assis en début de game. Sur Tic-Tic-Tic-Scan. Livre à quoi sur le canard hein.
Je suis petit, je suis petit haut. Ils ont jamais vu Dramos de leur vie, mec. Ils ont jamais vu Dramos à Galar, mec. Voilà le rouleau en moi. Enfin, faut vraiment que je capture d'autres Pokémon parce que ces deux-là ils sont pas terribles. Et mes vol tout tout, il va pouvoir être utile à l'arène, mais c'est tout. Il est pris dans les traces, il se fait bousiller par deux engrenages, surtout. Là, oh, j'ai pas grand chose pour taper, donc je vais taper sur ce qu'il y a de mieux. Vraiment les deux là. Au pif hein. Votre toutou va le finir. J'ai quand même une team 100% qui galère hein. Sauf Ramolos, mais bon, ça c'est autre chose. Des chutes croquées. Des chanchivis. Je regarde ce qu'il traite. Plus but ok. Il y a quoi là? Un Ningal. Merci, mais je sens que tu m'as fait. Ah, je sais quel Pokémon je peux récupérer. Ouais, je vais faire le tour. Hein. Oh, deuxième Pokémon Spoitine. Bah attends, toi, viens là tout de suite. Ah le bâtard, bon. J'avais 21 en plus pour prendre. J'ai pas arrivé. Non, j'ai pas parlé. Donc, je n'ai absolument pas parlé. Purement dans le but. Faut que je joue Strat, enfin, c'est un Poké sauvage, c'est nouveau ça. Oh putain, j'arrive à pas le tuer, c'est un exploit.
Putain, mais c'est quoi cette équipe qui est faible au... qui était trop faible au CP? Alors tu vas rentrer. Tu rentres, je te dis. Merci. Pas d'XP pour les morts. Voilà. Non. Voilà, il a rejoint l'équipe. Et il va être temps de dégager quelqu'un. À savoir, Remolouche. Pour le moment. Sachant qu'il y a plein de thèmes à récupérer après. Tiens, salut toi. Toxizapouet. Ah, ça c'est cool. Ah, putain, il est que niveau 1. Bah, je vais le gaver de bonbons, écoutez. Parce que, genre, ah, c'est une femelle en plus. Je n'ai plus le nom de son évolution. Mais un Pokémon poison et tout, c'est genre super vénère. C'est juste filer vite fait son Pokémon me heal. Puis je vais revenir tout éclaté. Le signing pour voir la ceinture France, ce que je vais faire. Honnêtement, est-ce que je déposerai pas la pyro? Parce qu'honnêtement, je vais faire du farming hors stream. Hein. C'est pas très intéressant, surtout si c'est pas pour faire des raids. C'est que. Ok, c'est juste une arche. Lequel commencer? Ah, faudrait peut-être parler au PNJ avant, quoi. J'ai entendu un Pikachu. Pas de confiture à son effigie. Ah ouais, c'est pour une fête en plus. Ouais, bah je sais plus à quel point j'ai parlé, je vais être honnête. Donc, du coup, va falloir maintenant farmer les combats pour monter de ce beau petit monde à niveau. Hop. Je mets qui devant. Toxizap va prendre l'XP facile, donc Tournicoton. Qui pour l'instant fait partie des gâchures, je dis bien pour l'instant. Laissez-moi tranquille les mignons, c'est les chachis là.
Monsieur, sauvez-moi, je me fais agresser. Ah, on va comme. C'est qu'un coup critique ça peut faire, bah coller au dos, mais écoute. Surtout qu'il sent qu'il est plante et dragon, rien qu'à ce stade. Tellement. Oh, tu vas me lâcher toi? Merci. Attraction qui est aussi bien planquée quand même. Merde. Ah bon, d'accord. Wesh. Voilà. J'ai un peu joué le toutou. Ah si, je me souviens ce que j'avais dit pour une des règles. L'autre règle sur laquelle j'avais un doute, c'est très spécifique. Hop. De toute façon, soit il est finish, soit il est paralysé, soit rien, soit aucun des deux. Ah le bâtard. Au secours! On le fait martyriser par un chauve-souris. Voilà. Thank you.
Allez, dégage. Putain. Oh, dis moi, ils m'ont le cul là par contre. Alors, bah, sur l'insecte, hein, écoute. On va pas faire autrement. Peut-être baisser un peu le son du stream. Voilà. Et monter le son de mon micro à la place. Voilà. Après, je sais pas si je l'ai monté trop fort. Hop. Ah. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Blanc coton. Hop. Ça fait même pas deux règles. Sport coton, ce sera toujours plus utile que berceuse. D'ailleurs, je peux aussi te prendre feuille magique, maintenant que j'y pense. Ça sent, tenez, je joue jamais. Contre un truc qui a du critique, mais bon. Petit peu foiré. Je préfère un pseudo onde de choc qu'autre chose. Bah là va falloir spammer charge. C'est la seule autre attaque valable que j'ai avec morsure. Bon. Attends, franchement Voltoutou il tape pas très fort sur le physique, c'est un peu chiant. Bah go coléodome. Dans les coléodomes, c'est un monstre, arrêtez! Putain, je veux pas le perdre! Tarsal, bon, ça par contre, me dis pas que tu vas pas pouvoir gérer. Pour pouvoir le paralyser pour le finish. Oh, putain. Il apprenait Raphaël Psy lui. J'aurais pas le souvenir. Ah, il avait 5 en plus, cet enfoiré. Voilà. Bon bidou. Alors ça c'est insecte. Bah on va tester le drift tiens. Il a un bon niveau en plus. Ça, par contre j'ai pas checké ses stats.
Ah bah il y a rien qui l'impacte, bon bah ok. Il y a surtout le ballon, ça c'est génial. Sur un Pokémon de zone. Surtout d'une zone de début de jeu quoi. Avec châtiment, je pense que tu es mort, plus ou moins. Ouais, voilà. Ah bah putain, enfin! Je crois qu'il évolue au niveau 30 en plus d'oxydable, donc ça va prendre du temps. Hop, allez, un petit coup de heal. Un petit coup de heal et on va faire une deuxième pause avant d'attaquer la, je pense, la dernière partie de cette soirée. Hop. 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 Du coup, tac 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 tac, donc si j'appuie, il serait bien là où il est. Hop. Ah, du coup, j'en profitais pour sauvegarder. Et on va faire une petite pause. Dans jour, on revient pour une petite pause qui va être rapide. Hein, je pense que. Avant, un peu avant 35, un peu avant 22h35, on sera bon. Du coup, je vous dis à dans pas longtemps.